Soyez les bienvenus pour ce nouveau culte vidéo. Alors la semaine dernière, j'ai eu plein de retours très positifs, très enthousiastes. Et bon, ils concernaient tous la citation du début du culte. J'avoue que sur le coup, ça m'a un peu vexé. Il n'y a jamais beaucoup, beaucoup de retours. Et puis là, il y en a eu plein. Et comme par hasard, pour le truc que je fais jamais. Alors, je me suis dit, après réflexion, que fallait que j'y voie un encouragement à être moins ignare, voilà, niveau littéraire. Et comme je ne suis pas rancunier, je vous propose une nouvelle citation pour débuter ce culte. Et celle-ci, elle est de Rainer Maria Rilke, un écrivain autrichien, qui a dit ceci. Attendez avec humilité et patience l'heure de la naissance d'une nouvelle clarté. Oui, c'est beau aussi, hein. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai que c'est quand même quasiment la même chose que la citation de la semaine dernière. Je suis d'accord. Mais bon, disons que je fais des efforts pour combler le vide de mon cerveau. Alors, je vous demande quand même d'avoir un tout petit peu de patience avec moi. Ma grand-mère disait toujours « Holt die Frau, ich kenne rien Moschine ». Alors, je ne suis pas vieux et surtout, je ne suis pas une femme, mais quand même, un peu de patience, s'il vous plaît. Et puis, si cette même idée revient plusieurs fois, je me dis que ce n'est pas par hasard. Dans cette période catastrophique que nous vivons, je trouve que c'est même plutôt très encourageant d'entendre un même encouragement de plusieurs voix différentes. Parce qu'il faut bien le dire, hein, cette crise est aussi déprimante que la grisaille de l'automne et la froideur de l'hiver réunies. On en oublierait presque les couleurs et la chaleur du vivre ensemble, même en famille. Moi, j'ai peur d'oublier à quoi vous ressemblez. Hein. Quand je ferme les yeux et que je vous imagine, vous savez comment je vous vois? Comme ça. Vous ressemblez tous. On a vraiment, vraiment besoin d'entendre qu'une renaissance nous est possible. C'est l'espérance de notre foi, pour chacun personnellement, mais aussi de manière générale, avec l'établissement du royaume de Dieu. Alors autant il est difficile d'avoir de l'espoir pour notre monde, autant notre espérance du monde meilleur promis par Dieu à ses enfants doit grandir en nous. Autant il est difficile d'attendre des jours meilleurs pour ce monde, autant nos prières demandent à Dieu de plus en plus fort, mais de se hâter, parce que pour nous, le temps presse. Alors avec le chant suivant, « Élevons nos têtes, nos voix et nos cœurs vers celui qui vient, car c'est là notre espérance et c'est aussi notre certitude. »
nous attendons, selon la promesse du Seigneur, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où habite la justice. Nous prions avec les mots du psalmiste au psaume 126. Quand le Seigneur établit Sion, nous pensions rêver. Nous ne cessions de rire et de lancer des cris de joie. Chez les autres nations, on disait « Le Seigneur a fait beaucoup pour eux ». Oui, le Seigneur a fait beaucoup pour nous, et nous étions toutes heureux. Seigneur, rétablis notre situation, comme tu ranimes les ruisseaux asséchés. Celui qui pleure quand il sème, criera de joie quand il moissonnera. Il part en pleurant pour jeter la semence, mais il reviendra plein de joie et chargé de ses gerbes de blé. Car nous attendons, selon la promesse du Seigneur, des cieux nouveaux et une terre nouvelle, où habite la justice. Amen. Jésus marchait sur les routes de Galilée. Il proclamait l'Évangile et disait « Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » En tout temps, nos vies sont parfois pesantes, tristes, lourdes. Alors en ces temps troublés, comment ne le serait-elle pas ? En tout temps, nous pouvons nous laisser gagner par la triste routine du quotidien. Alors, en ces temps troublés, pourquoi en serait-il différemment? En tout temps, la morosité et le découragement nous guettent. Mais en ces temps troublés, la parole de Jésus retentit. Le temps est accompli. Le règne de Dieu s'est approché. Nous prions. Oui, Père, nous entendons ta parole, nous entendons ton évangile. Aujourd'hui, ce temps est le tien. Et pourtant, bien qu'il soit à toi, nous continuons à le remplir par la futilité et par l'agitation, par la banalité et par l'appréhension. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous devons nous convertir. Père, apprends-nous à inscrire ta résurrection et ton renouvellement dans nos habitudes, ton espérance et ton enthousiasme sur nos lassitudes, ta présence et ta famille dans notre solitude,
ta paix et ton courage sur nos inquiétudes. Fais-nous ouvrir les portes de notre vie pour accueillir ce temps nouveau que tu annonces. Que ton esprit nous bouleverse, que ta parole nous relève, que ton évangile nous convertisse, que ton amour nous rende vivants. Amen. Dans la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, l'apôtre écrit ceci. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Le péché, c'est bien plus qu'une mauvaise action. Il est la distance toujours plus grande qui s'immisce entre Dieu et nous, entre son évangile et notre vie, entre notre foi et nos craintes, entre nos pensées et nos paroles, entre nos paroles et nos actes. Mais Jésus le Christ abolit cette distance. Il nous donne la réconciliation et nous charge de proclamer à tous ses enfants, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen.
Écoutons à présent les deux lectures du jour. La première est une parabole racontée par Jésus qui met en scène 10 jeunes filles censées participer à des noces. Alors le royaume des cieux ressemblera à l'histoire de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et les 5 autres étaient raisonnables. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leur lampe, mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient raisonnables emportèrent des flacons d'huile avec leur lampe. Or voici que le marié tardait à venir. Ainsi les jeunes filles eurent toutes sommeil et finirent par s'endormir. À minuit, un cri se fit entendre. Voici le marié, sortez à sa rencontre. Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les imprévoyantes demandèrent aux raisonnables. « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les raisonnables répondirent. « Non, nous ne vous en donnerons pas, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Vous feriez mieux d'aller au magasin, en acheter pour vous. » Les imprévoyantes partirent donc acheter de l'huile. Mais pendant ce temps, le marié arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, maître, ouvre-nous !» Mais le marié leur répondit « Je vous le déclare et c'est la vérité. » « Je ne vous connais pas. » « Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, voici une vision de l'apôtre Jean. « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix qui venait du trône et qui disait « Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. » Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara « Maintenant je fais toutes ces choses nouvelles. » Puis il me dit « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » Et il ajouta « C'est fait. » Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon enfant. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Amen. Thank you.
le monde d'après. Vous vous souvenez quand cette crise a commencé? C'était ça le projet. Le monde d'après. On commençait à peine la lutte contre cette pandémie de malheur, qu'on était déjà tous dans un même élan réformateur. Ah, on était sûr qu'il y aurait le monde d'avant la crise sanitaire et le monde d'après le ou la, comme vous voulez, Covid-19. Rien ne serait plus comme avant. Ah ben, terminer l'inconscience, terminer l'insouciance, terminer les mauvaises idées et les mauvais comportements, terminer les objectifs égoïstes, terminer les manques de moyens là où c'est pourtant vital d'avoir des sous, terminer le manque de personnel là où les gens se tuent au travail, terminer d'un côté les beaucoup trop riches face à l'autre côté hein, les beaucoup trop pauvres, terminer la loi du plus fort. Cette liste est interminable. Et alors pour la résumer, le projet c'était terminer le mal. C'en est fini du mal, plus de mal du tout. Et d'ailleurs, un changement en profondeur avait déjà commencé. Souvenez-vous les applaudissements à 20h. Je ne sais pas qui en a eu l'idée, mais c'était quand même une sacrément bonne idée. D'abord, c'était pour soutenir les personnels de santé qui en avaient quand même bien besoin. Et puis après, on l'a aussi fait pour les caissières, pour les artisans, pour en fait tous ceux dont on était heureux qu'ils soient là pour nous, en première ligne, et qui avant n'étaient pas considérés à leur juste valeur. On peut le dire clairement, avant, on n'avait pas grand-chose à faire d'eux. On ne les voyait même pas. Mais à ce moment-là, on a vraiment saisi toute l'importance qu'ils ont pour nous. Ah, qu'est-ce qu'on nous l'a bien vendu, ce monde d'après ? Et si bien que, je ne sais pas pour vous, mais moi j'y ai cru. C'est simple, pour moi, ce monde d'après, c'était pas loin de l'idée que je me fais du monde parfait. Et peut-être même de l'idée que je me fais du paradis. C'est un peu compliqué à expliquer le paradis avec des mots. Alors regardez plutôt ça. Pour moi, ce monde d'après, c'était comme ça. C'était comme l'île fantastique. Monsieur Rourke et le petit atou. Cette île qui réalise finalement tous les rêves, même les plus fous. Ah, c'est... Comment est-ce que je pourrais encore vous l'expliquer autrement? Le monde après, pour moi, c'était comme une succession sans fin de super bons moments. Comme celui-là. Oui. Allez, c'est tellement bon, on se le remet encore un coup. Oui, j'y ai cru. À la justice pour tous, aux soucis qu'on aurait les uns des autres, à la primauté des bonnes et des vraies valeurs. Oui, j'y ai cru au bonheur. Enfin, un peu. Parce que cet enthousiasme si savoureux a finalement été de courte durée. Contrairement à l'île fantastique, le paradis, normalement, ça ne finit jamais.
Alors que là, avec le monde d'après qu'on a eu, hein, le réveil a été rude. Un réveil un peu comme ça. 10 secondes, 9, 10 secondes pour 8, 200 mètres, pas 7, possible. 6, si c'est vraiment 5, 10. 4, 3, 2, 1, top! Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg LeMond l'emporte. Greg en médaillon ici sur l'image proposée par Pierre Badel et Daniel Thierry. C'est fini. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Moment intense, moment d'émotion, Robert. Oui, ça faisait vraiment l'effet désagréable de quelque chose comme ça. Pour illustrer cette désillusion amère, j'aurais pu prendre bien d'autres mésaventures, et beaucoup plus graves que ces deux petits couacs sportifs. J'aurais pu prendre les fermetures ou les délocalisations d'entreprises, d'usines, ben parce que ça continue. J'aurais pu prendre les passages à tabac ou même les meurtres, parce qu'on refuse de porter un masque. J'aurais pu prendre la pollution écologique, sanitaire et visuelle des masques jetés par terre, comme ça, poup, dans la rue. Ben pourquoi s'embêter à le mettre dans une poubelle? On est français ou pas? J'aurais pu prendre les fous du volant qui se croient obligés de rattraper les excès de vitesse qu'ils n'ont pas pu faire pendant le confinement, à grands coups d'insultes. Et de gestes vraiment pas très très jolis. Plus que tout, j'aurais pu reprendre les applaudissements à 20 h, parce qu'ils se sont très rapidement retransformés en ce qu'ils étaient avant, rouspétage, engueulage, insultes et parfois même bagarre. Alors si vous vous demandez, vous me demandez mon diagnostic de spécialiste. Je dirais que l'être humain souffre du syndrome du poisson rouge, également appelé le syndrome de la poule. Sur le coup de l'émotion, nous sommes des millions à crier sincèrement. Plus jamais ça! Comme après chaque horreur, chaque guerre, chaque catastrophe. Mais dès que le quotidien a repris sa place, dès qu'on a retrouvé notre petit confort et nos habitudes, dès que ça va plus aussi mal que ça, eh bien, on oublie. On a fait le tour du bocal. Comme s'il n'y avait rien eu avant. Comme si on n'avait pas pris de bonnes résolutions il y a 3 semaines, 3 mois. Ça, c'est un comportement typiquement humain. À grande échelle, tous nous sommes concernés, mais aussi à petite échelle, chacun nous sommes concernés. On fait tous ça. Terminer la goinfrerie des fêtes de fin d'année. Non, non, là, maintenant, cette année, je suis raisonnable. Vous n'avez jamais dit ça, vous? Résultat, début janvier, entre 3 et 5 kilos de plus sur une semaine, hein, comme chaque année, sauf pour les chanceux qui ont chopé la gastro. Satanée faiblesse de la mémoire humaine. Parce que c'est aussi ça, c'est aussi ce défaut de mémoire qui fait qu'on a été autant désillusionné au réveil. Quand on nous a vendu le monde d'après, surtout quand on l'a acheté, on a tout simplement oublié deux, trois petites choses qui sont pourtant parfaitement évidentes. On a oublié que les vendeurs sont là pour vendre. Et qu'un bon vendeur, c'est un vendeur qui vous vend tout et n'importe quoi. On a oublié que ce qu'on nous vendait et qu'on a acheté,
ce monde d'après, c'était effectivement n'importe quoi. On a oublié que c'était une arnaque à laquelle on a tous déjà mordu plusieurs fois. Ben, si, vous savez, le fabuleux « plus jamais !» On l'a tous déjà vécu en disant « ah, ils mourront plus, jamais, non, non, plus jamais, ils mourront. » Et finalement, quelques temps après, on re-signe, et on re-re-signe, et on re-re-re-signe. On a oublié que ce monde-ci ne peut pas être un autre monde, du moins pas aussi facilement que ça. Vous n'êtes peut-être pas convaincu? Alors, mon avis de spécialiste, si vous le voulez, c'est que pour que ce monde change radicalement, il n'y a que deux possibilités. La première, c'est que nous, nous changions. Tant que ce monde, non plutôt tant que ce sont les mêmes personnes qui peuplent ce monde, ben ce monde ne peut pas changer en mieux. Ce n'est que lorsque nous changeons que notre monde change. La parabole des 10 jeunes filles le dit tranquillement. Alors que nous sommes conviés aux plus belles noces des 50 dernières années. Vraiment, la méga teuf, il faut en être. Hein. Si tu n'en es pas, tu as vraiment raté ta vie. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on s'endort, comme tout le monde. Mais nous, en plus, ben, on n'a pas prévu d'huile de secours pour notre lampe. Vide. Comme toujours, pour nous. Alors, si l'huile ne vous parle pas avec une lampe comme ça, dites-vous simplement que vous avez oublié, vous êtes endormi en oubliant votre câble ou votre batterie externe pour recharger votre portable, votre smartphone. Vide. Comme toujours. Et quand arrive l'heure de la fête, ben nous voilà bien embêtés parce que nos lampes et nos smartphones ne s'allument pas. Impossible de trouver le chemin sans la lumière de notre lampe, impossible d'entrer dans la salle du festin sans le billet numérique stocké sur votre smartphone. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et quand finalement on arrive à la salle avec plus d'huile qu'il n'en faut pour illuminer les 10 prochains mariages, ou avec le smartphone tellement rempli d'énergie qu'on peut jouer au DJ toute la nuit, la porte est close et elle ne s'ouvrira pas. Et oui, on a raté la chenille qui démarre sous les sunlights des tropiques au bal masqué, ohé ohé. Cette crise sanitaire en aura fait réfléchir quelques-uns. Elle les aura même fait changer profondément. Mais seulement quelques-uns. De loin pas assez pour changer le monde. La deuxième possibilité pour que notre monde change, c'est que Dieu prenne lui-même les choses en main. Et là, nous passons ensemble d'un bien triste constat à la bonne nouvelle du jour. Et votre patience, notre patience, est récompensée. Car oui, Dieu prend les choses en main. Et lui, ben, il fait bien mieux que juste changer un peu la déco. Mettre une nouvelle tapisserie ou un coup de pinceau à gauche, à droite. Dieu, lui, il change ce monde de fond en comble. Rénovation complète, vous ne voyez plus que c'est la même chose. Ben, c'est ce que celui qui est assis sur le trône dit à Jean dans sa vision, on l'a entendu. Maintenant, je fais toute chose nouvelle. C'est le verset 5. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
2 Corinthiens 5, verset 17, c'est la fin du verset. Grande et bonne nouvelle, Dieu chamboule notre monde en commençant par nous. Comme le dit l'apôtre Paul dans la première partie du verset que je viens de citer, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Puisque Jésus est dans nos cœurs, puisqu'il agit en nous, qu'il nous renouvelle de l'intérieur, le royaume de Dieu a déjà commencé. En nous. Comme il le dit lui-même, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17, verset 21. En tant que communauté de disciples, oui, mais aussi en tant qu'enfants de Dieu, chacun d'entre nous. Parce que Jésus a déjà commencé à établir en nous son royaume, nous ne sommes déjà plus de ce monde. Comme il le dit lui-même. Moi, je vous ai choisi et pris hors du monde, et vous n'appartenez plus au monde. Jean chapitre 15, verset 19. Parce que Jésus agit dans nos vies, Dieu fait sa demeure parmi nous et en nous. Ça, c'est le verset 3 de la lecture du jour. Maintenant, Dieu est notre Dieu et nous sommes son peuple. Maintenant, Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Maintenant, au cœur même de notre monde imparfait et de toutes les épreuves qui nous tombent dessus, nous goûtons déjà les prémices du monde parfait que Dieu nous a promis et qu'il nous prépare. Un monde où toutes les larmes seront essuyées. Un monde où il n'y a plus ni mort, ni deuil, ni lamentation, ni aucune douleur. Tout ça appartient déjà au passé. Maintenant, grâce à Dieu, nos lampes ne manqueront jamais plus d'huile, ni nos portables de batterie. Maintenant, nous sommes déjà en train de zouker, alors que Dieu nous sert gratuitement l'eau, non pas de vie, mais l'eau de la vie. Ayons confiance en Dieu. Il nous aime et son amour nous rend plus que vainqueurs. C'est là notre héritage d'enfant de Dieu. Amen. Parfois, ma foi se fait bien bousculer, je dois bien l'avouer, mon cœur a aussi ses failles, ses blessures anciennes comme autant d'entailles. Je n'ai pas honte de ça, car tu connais tout de moi, pourtant tu m'aimes quand même. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Se sentir étranger, au beau milieu de gens, de lieux que je connais. C'est ailleurs qu'il vaudrait mieux partir. Si je m'éloigne de toi, c'est souvent bien malgré moi. Tu sais me ramener. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras, je revis en ta présence. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux.
qu'importe l'endroit, mon âge ou bien mes choix, toi tu ne changes pas dans ton amour pour moi. Et qu'importe l'endroit, mon âge ou bien mes choix, toi tu ne changes pas. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras. Je revis en ta présence. Je revis en ta présence. Tu es ma terre, mon seul repère, là où tout recommence. Là où tout recommence. Je me sens chez moi, au creux de tes bras. Je revis en ta présence. Rien ne pourra me séparer de ton amour. Rien ne pourra me séparer de ton amour. Rien ne pourra me séparer de ton amour. Rien ne me séparer de ton amour. Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur notre Dieu, en ces temps troublés, nous venons à toi, car tu es la stabilité, tu es l'équilibre parfait. Près de toi, nous nous sentons bien. Ta douceur nous rassure. Nous croyons en toi et nous reconnaissons nos limites. À toi, nous adressons nos questions et nos doutes, surtout celles qui ont trait à nos valeurs. Qu'est-ce que le monde et quel est son avenir? Qu'attends-tu de nous? Qu'exiges-tu de nous? Nous t'en prions, fortifie notre conscience, notre disponibilité, notre foi. Donne-nous le courage, l'amour et le respect de toute vie humaine. Donne-nous la force de reconnaître le droit chemin, celui qui rayonne parmi les hommes et qui rend ce monde plus humain. Seigneur notre Dieu, alors que notre temps de vie s'écoule de ton éternité, dans ce fragment d'heures, de jours et d'années, donne-nous d'être réellement présents au monde et devant toi. Nous t'en prions, toi qui redoubles d'attention pour chacun de tes enfants. Saisis le plus léger et le plus vague de nos désirs de te connaître et remplis nos âmes de l'eau vive de ta grâce. Seigneur notre Dieu, en route vers ton royaume de justice et de paix, nous te confions tous ceux que la maladie, la solitude, la peur ou la mort veulent te lire éloigné de toi. Toi le Dieu qui guérit, le Dieu qui relève, le Dieu qui sauve, offre-leur soutien, protection, encouragement, bénédiction. Seigneur notre Dieu, toi qui fais de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te disons la prière que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux. Thank you.
Et voilà que ce culte touche déjà à sa fin. Alors même si nous sommes encore soumis pour un temps aux difficultés et aux épreuves de ce monde, allons dans cette semaine et dans nos vies encouragés par cette promesse. L'établissement du royaume de Dieu a déjà commencé. Bientôt, nous le verrons advenir lorsque s'accomplira cette parole de Dieu. Le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera aucun mal. Il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. Prenez bien soin de vous avec un courage renouvelé et une confiance indestructible, et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.